Alors, on vient de grimper 9 marches pour atteindre le premier niveau. Et là, on voit sur ce niveau-là comme un genre d'hôtel avec des marches. Alors, probablement pour sacrifier. En tout cas, on ne le sait pas. Et on n'a pas de guide ici. On voit là-bas les autres niveaux. On voit une pyramide qu'on va voir tantôt, une deuxième pyramide là-bas. Et ça monte, et ça monte, et ça monte, et ça monte. Et quand on va arriver sur le prochain niveau, il y a encore plus de niveaux. La structure de base, premier niveau. Ça continue là-bas. Là, on est au 13e niveau. Encore des restes. Plateforme ici. On s'en va au 3e niveau. Et ça continue par là-bas. Et ensuite, il y a un 4e niveau. On voit en haut. On vient de monter 22 marches, haute plateforme ici, et là, ici, on arrive au jeu boule, qui est un jeu normal, avec, mais il n'y a pas de mur là-bas, mur seulement ici, pas de mur là-bas, mais ça ne veut rien dire, il était probablement construit, ce qui est différent, c'est l'élévation avec les murs ici. Ça, c'est nouveau. Et on continue sur le site. Et on voit une autre pyramide. Et la continuation des fortifications. On arrive à l'édifice 17. J'ai pas encore vu le deuxième jeu de boules. Et là, on continue. Ça, c'est ce qu'on a vu tantôt. Et on va essayer de monter, voir qu'est-ce qu'il y a ailleurs. Alors ça, c'est le haut de la dernière pyramide. Il y en a une autre plus petite ici, mais probablement avec des temples, ils disent avec des matières périssables comme du bois. Et en haut de ça, ce qu'on voit, c'est la vue de Comitán, qui est en bas. Et c'est normal. Toutes les pyramides, tous les sites sont sur le haut d'une montagne. Alors, c'est ce qu'on a ici. Évidemment, on voit des arbres, mais il faut se rappeler que les Mayas, quand ils construisaient leurs pyramides, ça leur prenait des quantités d'arbres énormes. Donc, il ne devait plus avoir un arbre ici. Ça fait 1000 ans à peu près que ça a été construit, ça. Alors, 1520. Ça a eu le temps de se refaire. On va continuer par là-bas. On est en haut de l'édifice 14. Et d'ici, s'il n'y avait pas d'arbres, on aurait une vue magnifique qu'on voit là-bas. Et il y a une croix ici parce que les habitants de Comitán viennent et y prier parfois. Alors, les autres édifices sont là. La plus grande pyramide qui est là, on n'a pas le droit de monter dessus. Il y en a d'autres là-bas. Il y a le jeu de boules qu'on a vu tantôt, puis je cherche le deuxième. Alors, on va voir où est-ce qu'il est. On voit deux différents types de murs. Alors, un mur avec comme ben, des pierres là, coupées, puis ici, un mur avec des petites pierres. On retrouve par-dessus des pierres coupées. Pierre coupée, petite pierre. Petite pierre. Pas de raison. Ben, que je connaisse. Surprise! On s'en venait ici pour voir s'il n'y avait pas un jeu de boules plus par là-bas. Puis en traversant, ben on voit ça. Alors là, on va continuer. On ne sait pas ce que c'est. Oh. On sait ce que c'est. C'est une pyramide, là. Ou c'est la base d'une pyramide parce que elle était évidemment beaucoup plus haute que ça. Alors ça, c'est l'édifice 42. Alors, en haut de l'édifice 42, ce qu'on voit, c'est qu'on est au bord du précipice en ce moment. Et comme il n'y avait pas d'arbre,
tu grimpes pas sans te faire tuer. Et alors, le building là-bas, on est vraiment en haut de la montagne. Ça, c'est le haut de la plateforme de gauche. Il y a trois plateformes sur cet édifice-là. Moi, je suis debout sur une. Ça, c'est celle de gauche. Puis celle de droite est comme là-bas. On la voit moins bien, mais elle est là, passé la plateforme du centre. Trois hôtels, probablement. Ils ont trouvé des ossements humains. Alors, ça devait être pour des sacrifices. Mais la raison pour laquelle je regarde celle-là, c'est que il y a une pierre que je vais aller voir de plus près, qui est parfaitement plane. Alors ça, c'est la pierre. À côté d'elle, on a une autre pierre qui a du rouge. Le guide hier, à Palenque, oui, nous disait que les édifices étaient peinturés en rouge parce que ça se voyait de très loin. Alors, c'est ça qu'il faisait. Puis on retrouve du rouge un peu partout. J'en ai vu justement là. Ben tiens, ici. Alors. Alors, pierre ronde en bas de l'édifice. Ces pierres-là indiquaient le nord, ce qui est possible. Les pyramides sont toujours orientées nord-sud-est-ouest. Un des édifices les plus faciles à grimper. On peut facilement s'aider en mettant la main pour monter. Et on s'aide comme ça et on se tient. C'est très, très sécuritaire. C'est fatigant, mais c'est très sécuritaire. Les pierres sont déposées les unes sur les autres. À l'angle. Alors, ça fait une balustrade, effectivement, mais qui monte parfaitement à droite. Oui, c'est haut. Puis, je suis pas rendu en haut. Alors, je suis en haut de l'édifice 7. Et ça, c'est ce qu'on voit. Alors, au fond, là-bas, on aperçoit la ville de Comitat. Montagne. Ah, il n'y a pas de soleil. Plus loin, c'est l'accueil qu'on voit. Je continue et ça avait vraiment l'air d'être d'autres édifices parce qu'on voit des pierres à fleurs de. Alors, ça pourrait être des parties de mur, ça ne m'étonnerait pas du tout, c'est de ça que ça a l'air. Alors ça serait l'autre partie de la ville qui donnerait sur l'autre versant de la montagne. Ça, c'est l'édifice à côté de la ville, qui est construit de manière intéressante, il est construit sur le premier. Alors si on regarde, on descend, mais on ne va pas jusqu'en bas, parce que le deuxième édifice, deuxième pyramide qui est là, est construite comme par-dessus le bas de la première, avec des hôtels à certains niveaux. Bon, ben, je vais essayer de descendre par ici, puis ensuite, en faisant le tour, je vais descendre par l'autre pyramide qui est là-bas. Puis je vais faire peur à Girta qui est là-bas. Alors évidemment, me direz-vous, Yves, c'est pas un escalier. Mais je ne descends pas comme si c'était des marches non plus. Je m'assois puis je me laisse tomber. Et c'est très sécuritaire. Et ça va pas aller plus vite. Et c'est moins fatigant. Ça, malgré les arbres, ça ressemble étrangement à un jeu de balles. Avec les murs de chaque côté, la fin qui serait ici où je suis debout. Alors le thé, il est là le thé. On va descendre puis je vais prendre une photo de cet édifice. Ça c'est d'autres pyramides. C'est encore en face là, où je disais il y avait des pyramides. C'est clair que c'est une pyramide, ça. Alors, les vestiges de la peinture rouge, ben là, on les voit clairement.